Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un nouveau commentaire. Et on approche de la fin, on y arrive. Il nous reste plus grand chose, mais le plus dur est devant nous. Et vraiment, le plus dur commence réellement maintenant. C'était déjà très compliqué lors du dernier commentaire, mais là, le gros du gros commence et s'entame avec un film absolument infâme. Je suis toujours en compagnie de ce bon Jason. Et oui, tout à fait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bien évidemment, là, nous attaquons à voilà le cinquième film de la saga Resident Evil. Et pour moi, c'est un film qui est très important puisque je suis allé le voir en avant-première au cinéma. Voilà. Je suis également allé le voir au cinéma. Peut-être pas en avant-première, mais oui, à partir du 3 ou 4, je crois que je les ai tous vus au cinéma. Ce qui a été une expérience incroyable. Alors, on a littéralement vu Bienvenue à Raccoon City ensemble. Ah oui, tout à fait. Une grande expérience. Ouais. Mais, on va s'attaquer à Resident Evil Retribution. Donc, pour ceux qui débarquent maintenant, c'est le principe, même principe que sur les autres commentaires. Mais on regarde le film et on va le commenter en live. Donc, si vous voulez nous rejoindre, eh ben, n'hésitez pas. Notre film fait actuellement 1h35 et 44 secondes, générique inclus. Et du coup, on va faire un petit top et à ce moment-là, on lancera le film. Et ce sera le signal pour vous pour le lancer en même temps. Comme ça, vous pourrez regarder les mauvaises images en compagnie de nos mauvais commentaires, ce qui est quand même incroyable. Une expérience en 4 dimensions. Ce qui est fou, je pense que le film dure 1h20 et il y a 15 minutes de générique. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et bah donc du coup, on va être parti. Si tu es prêt, Jason, on peut faire le début. Oui, c'est parti. Très bien. Eh bien, 3, 2, 1 et go. Oh là là. Donc, ah, ça me fait, ça me fait quelque chose quand même. Hein. Ouais. on approche du but. T'inquiète, on y est bientôt. Du coup, ouais, celui-ci est sorti en 2012, donc 2 ans après Resident Evil Afterlife, toujours réalisé par Paul W.S. Anderson, toujours écrit par Paul W.S. Anderson. Toujours produit par Paul W.S. Anderson. Ah bah évidemment, le mec produit tous ses films. Et ouais, cette merveilleuse boîte de production qui s'appelle Constantin Film, qui n'a fait que des bonnes productions. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, voilà, Rétribution. Alors, là, je vous encourage quand même à écouter notre commentaire sur Afterlife si vous ne l'avez pas fait. Puisque ouais, la suite, enfin, l'intro de ce film est littéralement la fin du précédent. On a un excellent cliffhanger quand même. Hein. Ouais, ça finit sur un cliffhanger. Ouais, et là, ça va commencer tout de suite par la résolution de ce cliffhanger. Ouais. D'une manière complètement incroyable. Ah, mais ouais. Avec par contre, avec une super musique. Oui, ça c'est vrai, mais la musique de Resident Evil Afterlife était vraiment bien, et la musique de Rétribution n'est pas à chier non plus. Ouais, c'est vrai. Et il y a une idée de mise en scène, à savoir que cette intro est à l'envers. Oui, ça c'est vrai. Ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais, dommage que bon, voilà, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, c'est la bonne idée, et hop, allez! On les met à la poubelle, ouais. On passe à autre chose. Mais surtout, c'est une bonne idée, mais au milieu d'un truc où scénaristiquement, tu vas dire qu'il y a un problème. Oui. Puisque, rappelez-vous, à la fin de Resident Evil Afterlife, pour ceux qui ont suivi la saga, elle était sur le bateau en compagnie de Claire Redfield, Chris Redfield et Kmart. Et bien, si vous ne les voyez pas au générique de ce film, c'est normal, ils ne sont pas là. Voilà. Et il n'y a aucune explication fournie, évidemment. Alors, les effets spéciaux sont quand même bien dégueulasses. Là, on voit directement, c'est pas possible. Oui, oui, c'est vrai. Mais visuellement, ça reste quand même intéressant, tu vois, de voir ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est dingue, Enfin, bon. Alors, pour rappel, le film était en 3D aussi. Hein. Oui, le film est en 3D, effectivement. D'ailleurs, le titre officiel est Resident Evil Retribution 3D. Eh ouais, tout à fait. Voilà, donc plein de choses... dans ce film, et plein d'incohérences par rapport à la saga, par rapport au film entre eux. Enfin, Rétribution, c'est peut-être le pire du lot, hein, parce que chapitre final, il a quand même des décors pour lui, et celui-là, il a rien, quoi. Ouais. Mais tu vois, là, déjà, Jill Valentine, je crois qu'il n'a pas le même costume que à la fin du générique. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Mais du coup, c'est littéralement le même costume que celui qu'elle a dans le jeu vidéo Resident Evil 5. Oui, tout à fait. Faire du gros clin d'œil
au jeu. Bien baveux. Et là, celui-là, il regorge de clins d'œil à la saga, mais aussi au jeu. Et pourtant, il coupe. C'est peut-être le pire du lot. C'est vraiment bizarre. Écoute, je trouve qu'on a le meilleur Léon quand même. Hein. C'est des deux Léons qu'on a eu. Par défaut, c'est le meilleur. Et il a chié, mais tu as raison. Par défaut, c'est le meilleur. Et tout comme par défaut, c'est le meilleur Barry Burton qu'on a jamais eu. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est le seul, donc par défaut, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Et c'est la meilleure Jill Valentine qu'on a eue, ça c'est vrai par contre. Ah oui, aussi. Par contre ça c'est vrai, ouais, tout à fait. Ceci est la meilleure. Moi je confirme que là c'était un très bon choix de casting, peut-être un des seuls très bons choix de casting. Ah, je suis bien d'accord. Mais ouais. Donc voilà, cette intro est très belle, hein, la belle musique, tout ça, mais on va bientôt entrer dans le vif du sujet, à savoir l'histoire. Ah ouais, et là, bon c'est... Dieu, l'histoire dans ce film-là, c'est une catastrophe. Ah, c'est un sacré bordel, hein, franchement. Et voilà, donc voilà, c'est la fin de l'intro. C'est la fin de littéralement la seule bonne partie du film. C'est et ça fait 4 minutes 22. Le film est terminé. Voilà, c'est terminé. Alors, bien sûr, elle fait une petite intro pour dire, bon, si vous n'avez pas vu les précédents films, je vous fais un petit résumé de la situation. Ouais, c'est toujours le même discours, mais effectivement... Il faut quand même se rappeler parce que si tu commences à suivre l'histoire de ces films, tu vas péter un câble. Donc c'est bien d'avoir juste l'intro finalement. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que si tu commences à saga avec le 5, t'es mort déjà. Ah, c'est clair. Mais là, avec l'intro, t'as l'impression que la saga est cohérente. Parce que t'as juste 10 minutes de film. Enfin, t'as juste 2 minutes qui te résument 4 films. Mais quand tu regardes les 4 films, c'est ça, ouais. Putain, y'a rien qui tient debout. La fameuse scène des lasers. Ah ouais. Ils ont refait l'image de la Reine Rouge. Hein. Ouais, mais... Alors, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que, du coup, Alice arrive à se faire des mèches blondes, entre-temps. C'est très important. C'est Parce très que important. Ça a beau être l'apocalypse nucléaire, Jason, il faut quand même être belle. Avec ah oui, tout à fait. C'est le plus important. Maquiller tout ça, bah ouais, forcément. Parce que sinon, quel est l'intérêt de survivre si tu n'es pas belle pour être montrée à l'écran? Ouais. Le meilleur zombie, ah c'était oui. déjà terminé avec des effets spéciaux bien dégueulasses derrière. Ouais. Ah là là, mon dieu. Mais c'était quand même le pour le moment, c'est peut-être le meilleur de la saga, le 3, tu vois. Niveau zombie ou niveau résumé? Oh, j'irais les deux, tu vois. Bah, là, c'est l'intro qui montre les 4 films, ça a l'air presque cohérent. Ouais. Et putain, c'est bizarre. Ouais, non, franchement. Ah, il y a le chien, bien sûr. Ouais, ils ont pas montré les clones, mais... Non. En même temps. Est-ce qu'on n'a pas envie d'oublier cette partie, finalement? C'est ça. Ah là là. Et voilà, tu vois, ça, il n'y a aucune explication. C'est ça. Jill Valentine a subi un avant-cerveau. Mais comment t'es au courant, en fait? Mais ouais. Mais je sais pas. Ah oui, moi ce que j'adore c'est quand il dit il m'a privé de mes pouvoirs, mais j'ai réussi à le vaincre. Meuf, oui, parce que même sans tes pouvoirs, t'étais quand même surcheaté. Donc c'est, ouais, c'est ça. Quoi. Alors il y a quand même la scène, t'as vu, il y a une petite vignette avec. Oui, avec comment dire, Claire. Il y a encore moins de justification. Ouais, c'est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, c'est la mauvaise idée, avoir remontré la même scène dans le bon sens. Ah bah ça c'est pour faire passer le film. Ils ont dit le film doit durer 1h20, allez c'est parti hein. Ouais, mais quelle idée de merde là. C'était la seule bonne idée qu'ils avaient eu de mise en scène et ils la niquent directement. Parce que là la scène elle est affreuse comme ça. Ah ouais elle est affreuse hein. Là c'est boum boum, le montage est dégueulasse, enfin c'est terrible. Pff, ah ouais. Non c'était... Voilà. Voilà. C'est terrible. Non, mais c'est... Franchement, Paul Wes Anderson, c'est quand même un génie. Parce que là, il a quand même rempli 7 minutes de film, quoi. Je trouve ça génial. Ah, mais c'est un génie. Avec une seule scène qu'il a répété deux fois. Le gars est fort. Ouais, c'est ça. Fort. Le mec est fort. Et en calant quand même un résumé de la saga. Moi, je dis bravo. Ouais, clairement. Et puis, il peut plus montrer sa femme à poil parce que, bon, elle commence à vivre. Ouais. Mais.
En petite culotte. En petite culotte, tranquillou. Et alors là. Alors Là, là. c'est la foire à la saucisse. C'est là. Mais tu sais que il me semble que le film a été vendu parce que, comment dire, il y a Michelle Rodriguez. Et tu sais, elle redevenait un peu bankable ce qu'elle avait fait Oui, Fast and Furious, un parce que peu les Fast Fast and and Furious. Ouais, Furious, tout à fait. Avatar, Ouais, ouais, machin, ouais, oui, ouais. clairement. Et là, voilà. Donc on a une Voilà, fille muette, on a c'est. Carlos qui est en Voilà. vie. Carlos, voilà. En mode costard-cravate. Très bon. Voilà, tout va bien On dans est. cette vie, on ne sait pas ce qui se passe. On aura Petite des maison explications, et américaine. spoiler, ces explications ne sont pas satisfaisantes. En même temps, on regarde Resident Evil. Est-ce que les explications Oui, sont très satisfaisantes hein, en ça même fait quatre temps? films qu'on se fait chier à la gueule. Est-ce que finalement on est Voilà. à ça près? Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils étaient contents de cette idée de refaire des scènes un peu étranges comme ça, dans presque un univers parallèle, puisque c'était dans les bandes annonces. Hein. Oui, tout à fait, ouais, Dès les bandes annonces, exact. ils nous vendaient Ah, il y a Carlos qui est là, il y a Michel Rodriguez qui est là et tout. Je fais Ah, ok. Et ouais. Et là, bam! Allez, Carlos se fait bouffer. Très bien. Alors, est-ce que tu penses que Paul Anderson a juste vu l'intro du film L'Armée des Morts et s'est dit, et je vais faire la même? Franchement, le connaissant un peu, je pense que oui. Je Il a pense dû se dire, bon, aussi. allez. Parce Je vais que, il piquer faut le cette dire, l'intro de idée-là. L'Armée des Morts est absolument incroyable. Ah oui, tout à fait. Je suis pas fan de Zack Snyder, hein, mais L'Armée des Morts, pour moi, c'est un sans faute. Le Et l'intro film est est incroyable. incroyable. Ouais. Pour un remake, le film est incroyable. Ah mais clairement. Vraiment, il est dingue. Donc là, on a du zombie normal. On a du zombie, en fait on a du zombie un peu, comment dire, un peu comme les zombies de George Romero dans Zombie Tout d'ailleurs, à c'est-à-dire qu'on fait. leur met un peu de Tout bleu à et puis fait. voilà. Et un peu et frais, hein, je veux dire, ils sont... Ouais. Le sang est bien liquide et tout. C'est pas du vieux zombie comme dans Resident Evil Extinction. Donc Oui, ceux-là, tout à fait. c'est une nouvelle fournée, quoi. C'est ça. Donc là, on a une... Bon, on a quand même une Alice qui trouve des solutions. Voilà. Oui, mais Elle est qui n'est dans un pas, monde voilà. parallèle, mais voilà. C'est pas la ninja qu'on connaît. Non, non, non. Mais elle trouve des solutions. Moi, dans la panique, je ne trouverais pas ce genre de solution, tu vois. Je dirais, merde, je me fais attaquer par des zombies! Tout le monde ne trouverait pas la solution, effectivement, dans ces situations-là. Mais faut pas oublier que c'est Mila Alice, Jovovich. voilà. Et puis, elle pense quand même prendre une batte de baseball. C'est vrai, c'est toujours important Ouf. contre une armée de zombies. Oula, hé, elle a sauvé la plante. Ouais, mais le Oh là, bruit, effectivement, c'est une bonne idée. eh ouais. Ah La non, mais porte c'est n'est pas énervé. fermée, je ne sais pas pourquoi, il peut pas rentrer. Parce qu'il est très con. Ça, c'est tout à fait. Mais oui, mais attends, oui, pourquoi il Mais défonce la porte là? Elle est ouverte. mec. Bon, Mon la Dieu. scène qui me fait dire que définitivement, il a vu l'intro de l'Armée des Morts. Ouais, tout à fait. On a même Tiens, on le dirait que c'est le droit même quartier, quoi. C'est. au petit arrondi autour. Avec les figurants policiers, c'est j'adore. Et Ah! Michel Rodriguez. Michel Rodriguez! Qui, Extra! c'est très surprenant, ne jouera pas un garçon manqué badass. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, si, mais pas cette version de Michel Rodriguez, parce que spoiler, il y a Non. plusieurs Michel Rodriguez. Tout à fait. C'est le Michel Rodriguez Multiverse. Et Voilà. let's go. Allez, bim! Quand on vous dit qu'il faut regarder bien des deux côtés avant de traverser. Tout à fait, mais tout à fait. On le dit pas assez souvent. Et donc Ah! c'est censé être une version de Raccoon City. C'est ça, tout à fait. Eh bien, écoute, je préfère encore la version, comment dire, de Resident Evil, bien meilleur Raccoon Apocalypse. City. Bah, qui était une vraie ville et qui était plus proche de ce Ouais. qu'on avait connu dans les jeux. Que là, Oui, ça tout à fait fait, vraiment ouais. ville de banlieue. Tout à fait. Et c'est fou parce que c'est le multiverse et Marvel n'est pas derrière ça. Je trouve ça impressionnant. Voilà. C'est voilà, c'est Spider-Man No Way Home avec un peu de Ouais, budget quoi finalement, c'est ça. c'est tout ce qu'on demandait.
Donc les zombies qui courent. Voilà, Voilà. là, on Ah voit la là, elle porte s'être ferme. fermée. Ouais, la porte est C'est fermée. quand Donc même pas là, on peut compliqué. comprendre. Voilà, on peut comprendre que le zombie galère à ouvrir. Mais quand bien même, c'est rapide. Hein. Mais du coup, oui, aucune J'aurais. explication, parce que là, on a les zombies qui courent. Non. Hein. Je veux dire, c'est des zombies Ouais. normaux, mais ils courent Oui, contrairement aux tout à autres fait. zombies qu'on avait avant. Mais est-ce Tout à qu'on est fait. vraiment à ça près au niveau continuité sur les zombies, sachant que dans le précédent, on avait des Ganados et des Plagueis, sans aucune explication. Ouais, On n'est non, plus mais à je ça près, t'avouerai quoi. que on n'est plus à ça près, ouais. Et d'ailleurs, en parlant Plagueis, Ah, voilà. le retour des saloperies que personne n'a demandé que ça revienne. Eh oui, tout à fait. À part Paul Wes Anderson qui s'est dit, oh, mais c'était une bonne idée. Allez, on va le remettre. Alors que c'était pas une bonne idée et qu'il fallait pas remettre. Eh ouais, tout à Et on fait. peut toujours compter sur Paul Sanderson pour foncièrement prendre la mauvaise décision. C'est ça à chaque fois. Oh là là. Mon Dieu. Aïe, les effets spéciaux. Ouais, ça a pas très bien vieilli. Hein. Ah non, ouais, là. La bouche a vraiment très mal vieilli. Mais c'est du 3D, tu vois. Tu sens que le film, il a été fait pour qu'on voit le film en 3D, en fait. Clairement. Ouais. Oh bah Carlos, vas-y. Voilà. Pire idée, merci. Ce qui est bizarre en plus, c'est que Ah! sans faire Ouais. le connard, genre ah, dans les jeux, c'est vachement plus logique. On parle de Resident Evil, les jeux, c'est pas non plus. Voilà, l'histoire est un Ouais. peu nanardesque sur les bords, mais Ah ouais, non, mais c'est sûr. quand t'avais les trucs qui sortaient de la bouche, machin, ça pétait les membres existants. Là, il sort quatre trucs de sa bouche, mais il a quand même sa bouche. Ouais, tout à Donc, je veux fait, dire, ouais. même le côté transformation, c'est pas bien fait. Et Non, on me dise pas, ah, mais ça coûterait c'est. plus cher. Ils l'ont fait dans Blade 2, c'était très bien. Oui, c'est très très bien. Alors, nous avons quand même mis le jeu Vitch À en poil avec petite juste tenue, à deux poil, ouais, serviettes en voilà. papier sur lui. Ouais. Voilà. Pourquoi? Oui, Sais donc là pas. on est revenu à la réalité qu'on connaît. C'est ça. Et elle est retenue prisonnière par Umbrella. Ouais. Je sais pas Et d'où est-ce donc. qu'ils maintiennent, alors vu que c'est l'apocalypse, hein, et que nous déjà on n'arrive plus à maintenir l'électricité dès qu'il fait plus de 40 à cause du réchauffement climatique. Où est-ce qu'ils maintiennent toute cette putain d'énergie pour maintenir des salles immenses avec des lumières comme ça? Où est-ce qu'ils sortent l'électricité, quoi, les gars? Ah bah de l'esprit de Paul Wes Anderson, je pense. Hey, Jill! Ah là là, Jill. Jill, est-ce que c'est toi? Tu vois, ils parlent de Chris et Claire. Ouais. Donc, ils sont là, Et mais on voilà. sait pas. Il n'y a rien Voilà. qui est dit. Alors, je sais qu'on reverra Claire, mais Chris, on le revoit plus, hein. Non, Chris, on le reverra plus. Ouais. Et spoiler, oui, Claire, on la reverra, mais pas dans ce film, dans le prochain. Et complètement par hasard. Ouais, voilà. Ah, le jeu de Miljovic est surpuissant dans celui-là. Ouais, et le jeu de Signia Miller est incroyable aussi. Ah ouais. Ah, Mila. C'est... Ouais. Voilà. Rappelons que Paul Wes Anderson aime sa femme. Ah oui, ça, on s'en doute, hein. Parce que là, concrètement, là, ça doit faire 3 minutes qu'on voit cette scène-là, elle sert à rien. Bah, en fait, c'est pour nous faire comprendre qu'elle se fait torturer pendant un moment, mais spoiler, ça n'a aucune répercussion sur son état mental ou physique. Ouais. Et là, la grosse blague du jour, elle a une tenue absolument adaptée à sa taille qui était fournie dans la salle, évidemment. Ah bah oui, mais Ce qui n'a forcément. aucun putain de sens. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun rapport, je ne comprends pas. Ah, mais vraiment, c'est juste. C'est. Ah, elle trouve des. C'est même pas. Elle trouve des fringues, c'est. Ah, en fait, on lui donne des fringues qui sont à sa taille, qui sortent de nulle part. Mais littéralement, Ouais. tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, mais c'est. Et puis c'est des fringues badass, Non, mais c'est voilà. ça, c'est-à-dire. Qui a cette tenue chez soi, quoi? À part les maîtres BDSM, bien sûr. Ah, à la fistinière, Ah, peut-être. ça, effectivement, avec cette grande phrase du reportage, quand il pleure, c'est là que ça commence à m'exciter. Ouais. Tu fais, ah, oui, d'accord. Voilà, donc ils sont tous contrôlés.
par la fameuse araignée qu'on avait déjà vue aussi dans Resident Evil Afterlife. Exact. Mon Dieu. Bah, attends, meuf, tu l'as fait sortir, tu vois, c'est tu te dis, Non, c'est pas elle mec, qui tu l'a l'as fait fait sortir. sortir. C'est pas elle qui l'a fait sortir, C'est c'est le robot, c'est quoi? Wesker. Spoiler, Ah, Wesker bah est en vie ouais, parce c'est que ça n'a vrai, aucun c'est vrai, putain de c'est vrai, sens. c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Et mais il y a encore du encore les laser! lasers. Il y a encore du laser. On a encore du laser dans Resident Evil. Parce que serait un beau Resident Evil sans un film de laser? Eh ouais. Oh là. Voilà. Et là, on va comprendre que le gros placement produit pour GameStop au passage. Ouais, en même temps, bon. Mais là, on va comprendre que le film, globalement, est littéralement un jeu vidéo. Au niveau de son histoire, parce qu'elle va devoir littéralement passer des levels avec différents types d'ennemis pour aller à son but. Enfin, le C'est, scénario, je c'est trouve. vraiment le jeu vidéo le plus basique des années Je trouve 80. ça Et c'est ça le scénario génial, du quoi. film. Je trouve ça génial, tu vois, c'est. Voilà, regardez les gens, regardez les Parisiens, prenez exemple sur Miljovic. Le cadenas pour le Vélib est une arme dangereuse. Tout à fait. Ah bah ça alors, quelle chance. Un énorme flingue. Oh, bah j'avais un flingue. Alors rappelons aussi que Alice n'a plus de pouvoir. Hein. Ah non, non, Alice n'a plus de pouvoir du tout. Oui, il faut le rappeler parce que elle va faire encore des choses dans le suite. Tu te dis, putain, c'est dingue, hein. Sans pouvoir, comme très forte. Très très forte cette Alice, hein. Franchement. Non, non, elle a aucun pouvoir. Et là, on va commencer une scène qui me met beaucoup en colère pour ma part. La scène qui nique l'intro de Resident Evil Afterlife complètement gratuitement. Ah oui, Et je ne sais c'est pas vrai, je l'avais pourquoi. oublié celle-là. Je l'avais oublié. Voilà, donc toute l'intro qu'on avait vue. Avec les, donc qui se passait à Tokyo avec la fille voilà, qui passe au ralenti, qui attaquait Ouais. au Japon, et ben ils ont réussi à faire une simulation qui est littéralement la même scène. Tout à fait. Ce qui n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Tout ceci n'a pas de sens ni d'intérêt. On aime les ralentis, hein. On aime les ralentis, ça fait gagner du temps. C'est Ça vrai. fait gagner du temps. Alors rappelons quand même, question chiffre quand même, hein, Resident Evil Rétribution, c'est quand même 240 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 65 millions de dollars. C'est dingue, hein, à quel point c'est rentable. Ah Parce ouais, que là c'est. c'est. En gros, c'est 60 millions, mais on va dire, on va compter le marketing, donc on va dire c'est 100 millions. Et il a Ouais, tout à rapporté fait, quand même ouais. quasiment plus de deux fois, quasiment trois fois son investissement. C'est C'est rare, hein. ça, tout à fait, ouais. Alors, Surtout pour un Resident Evil 5, quoi, c'est une suite. ouais, alors le quatrième avait rapporté 300 millions, mais bon, on n'est pas à ça près, quoi. Oui. Honnêtement, voilà. Donc là, c'est du zombie normal. Ouais. Et il n'y en avait qu'une, mais ça s'est déjà très vite répandu. Et maintenant, il y en a déjà une petite dizaine. C'est ça. Alice nous montre que son cul moulé en cuir est encore de très bonne qualité. Alors, pendant cette scène, rappelons qu'Alice est encore complètement humaine. Oui, elle est humaine, elle n'a pas de pouvoir. Ça se voit, hein. C'est clairement, elle pue la normalité. Hein. Ah oui. Voilà, tout le monde fait ça. Ah bah tout le monde. Oh là là, alors là, elle fait un petit salto. Le jeu Non, de non, corps le jeu de franchement. corde, pas visible, mais très visible en vrai. Ouais. Elle est trop forte. Incroyable. Donc, elle est totalement humaine. Oui, Totalement parfaitement humaine, humaine. aucun pouvoir, aucun pouvoir. Encore du ralenti pour montrer que le film est en Voilà. 3D. C'est ça. Allez, bim. Eh ben, punaise. Et voilà. Voilà. Ah, putain, mais les sauts perdus Ah. sur place, ça a tellement aucun sens, bordel. Ah non, mais y a vraiment. Non, mais honnêtement, cette saga n'a aucun sens. Oui, il est vrai. Mais c'est. Enfin, je sais pas. Je les ai vus plusieurs fois, ces films. Hein.
Et pourtant, je réussis quand même toujours à être estomaqué par ce que je vois. Tu sais que moi, je le revois depuis 2012. Hein, j'avais pas revu. J'avais revu le 4, mais j'avais pas revu le 5. Hein. Ah, d'accord, donc là, ça fait littéralement 10 ans que tu n'as pas vu ce film. Eh ouais, c'est ça, tout à fait. Et est-ce là, que tu. je me prends une claque hein, quand même. Hein. Est-ce que tu ressens de la joie devant. Est-ce que tu as des beaux souvenirs qui remontent? Est-ce que j'ai des beaux souvenirs? Écoute, moi j'ai un souvenir où franchement je m'étais dit waouh ouais, l'intro a l'air cool et tout ça, et puis bon bah après je me suis dit ouais c'est un peu nul quand même comme film. Ouais, bah, j'ai le même avis que toi. Quand je l'ai vu aussi, je dis Bah l'intro, j'ai putain, peut-être qu'il se passe quelque chose. c'est ça. Et puis au bout de 10 minutes, je fais, ah bah non, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il se passe? Je me sens pas bien. C'était l'époque où Gaumont avait augmenté ses tarifs. Oh. Ils avaient, je crois que c'était passé à 9,40 euros les avant-premières. Et j'avais payé 9,40 euros pour voir Resident Evil Rétribution. Je veux bien Ouais, me croire j'étais parce que le fait content. que tu te rappelles d'un prix aussi précis que 9,40 € montre que c'est sûrement ça que tu as payé. m'avait fait mal. Ah non, celui-là, je l'avais vu avec des amis. C'était un UGC. UGC de Noisy-le-Grand. Ouh. Voilà. Comme Et une bah oui, talence. quand je suis ressorti de la salle, j'avais le sourire aux lèvres, mais pas de la joie, pas par joie, plutôt par dépression, on va dire. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, parce que à l'avant-première, j'avais réussi à récupérer un poster de Resident Evil 5. Et je Ouh. crois que. Et il me semble que je l'avais. C'était un poster géant, tu vois. C'était les PLV qu'ils allaient jeter, tout ça. Et du coup, je l'avais récupéré. Comme quoi, j'ai du goût. Ah, on peut pas, voilà, c'est. Ah non, mais. Il faut bien que des gens investissent dans Zeppelin ou sur Yahoo, hein. Tout le monde peut C'est pas miser sur le ça. bon cheval toujours, hein. Voilà, c'est ça. Donc du coup là, il y a plein d'employés d'Umbrella qui sont déjà Ouais, décédés tout à fait. C'est quand et même bien encore une dégueulasse, hein. salve d'armes complètement donnée. C'est C'est dégueulasse quand même. complètement gratuit parce que c'est ce qu'elle avait besoin. C'est ça qui fait le jeu vidéo. Là, c'est littéralement le checkpoint avant le prochain niveau, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que à chaque arme, elle arrive à avoir, en fait, comment dire, des emplacements et tout ça. Tout à fait. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette scène dans Resident Evil 4? Parce que le film se rappelle très clairement de cette scène dans Resident Evil 4. Le jeu, hein, je parle bien sûr. Parce que Oui. c'est littéralement la même chose que dans le château avec Ada. Donc, ils ne sont pas foulés, encore une Oui, ils fois. sont pas foulés. Alors, cette Li Bingbing, au fait, c'est l'actrice qui avait jugé l'État chinois et qui avait mystérieusement disparu pendant un petit moment, avant de Ouais. ressortir plusieurs semaines après pour s'excuser auprès de l'État et d'être très contente de payer ses impôts. Tout à fait. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais voilà. C'est fou parce que Jill Valentine, enfin, la comédienne, jouait plutôt bien dans le 2, tu vois, c'était Ouais, mais bon. là, elle sait Là. dans quoi elle est. Parce que dans le 2, elle pouvait encore avoir de l'espoir. Là, elle sait dans quoi elle est. Fait. J'en ai rien à Bon, foutre. c'est ça. Voilà, c'est ça, j'ai mon chèque. Donc, du coup, oui, on a Ada Wong qui est là Voilà. pour les fans du jeu. Ah. Bon, c'est Et gratuit, là, Wesker franchement, est c'est du encore en cadeau vie. gratuit. Hein. Et spoiler, il n'y a aucune explication de pourquoi il a survécu. Ouais. C'est parce qu'il est invincible, c'est pour ça. Et oui. Il a survécu à un avion explosion avec une explosion absolument gigantesque, mais bon. Voilà, donc on lui explique un peu globalement où est-ce qu'elle est, à Ouais, savoir qu'elle est dans une simulation géante. tu es dans un jeu vidéo. Et grâce à ça, tu vas rencontrer des personnages de Resident Evil. Et voilà, plein de personnages, plein de Plein de créatures. personnages. Oh là là. Tu seras jamais content de les voir, parce que tu dis, c'est dommage que tu apparaisses dans un film comme celui-ci. Et tu vois, je pense que Paul Thomas Anderson, il dit, c'est le film où je vais tout mettre dedans. Ah mais vraiment, celui-là, c'est littéralement le plus une adaptation de jeu vidéo qu'on pourrait faire, quoi. Voilà, tu peux pas faire plus jeu vidéo que ça. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Ça respecte pas les Même. jeux, mais ça a la Ah ouais. structure d'un jeu vidéo.
Même Double Dragon est pas comme ça, quoi. Ah, mais Double Dragon est un chef-d'œuvre. Ah oui, totalement. Il y a Marc Dacascos, ça peut pas être mauvais. Et Scott Wolf. Voilà. Ah là là, Ada Wong, quoi. Eh oui. Formidable. Formidable, hein, c'est vraiment. Donc du coup, oui, le côté très mondial du virus. On nous avait dit que c'était Raccoon City qui avait voilà qui n'avait pas réussi à contenir et voilà. Et en fait là ils nous rétroactivement annulent ça en disant bah non non en fait c'est Umbrella qui avait vendu à tous les pays et les pays ils l'ont utilisé et voilà. Voilà. L'explication pourrie, mais bon, c'est comme ça. Oui c'est Voilà, sympa les gars c'est. mais on s'en fout à ce moment-là dans l'univers. Donc là, elle s'est quand même bien chargée niveau armes. Tout à Donc, fait. bon, techniquement, ça va tout exploser, quoi. Et du coup, on apprend qu'elle est voilà, qu'elle est sous la mer, au nord de la Russie. Eh ouais, c'est super bien fait d'ailleurs. Oui, pas du tout un fond Windows, un fond d'écran Windows qui bouge. Ouais, c'est un écran de veille, quoi, le truc. Ah. Ouais. Alors quand on va Ah, voir la gueule de l'équipe de choc, alors là, franchement, elle demandait un remboursement. ah, moi j'ai hâte, hein. Voilà, la petite dézoom pour montrer la taille de l'endroit dans lequel elle est. Et Bon, c'est spoiler, on dommage, n'en même. verra pas grand-chose. Hein. Non. C'est dommage parce que la musique est vachement cool, hein. Moi Ouais, c'est ça, la musique qui est pas c'est déconnante. fou, Je hein. préfère la musique dans le 4, parce Ouais. que je préfère Perfect Circle à, je sais plus, Tandanem ou comme ça, je sais plus le nom de ce groupe-là. Donc je préfère le Perfect Circle, donc je préfère ce qu'ils font, mais la musique est pas déconnante en effet. Ouais, et Donc on a voilà, Barry ça Burton, commence. on a Léon S. Kennedy, Ah. on a un mec random, et si on n'a pas son nom, spoiler, c'est parce qu'il n'est pas très loin de la retraite. Et on a, je sais plus, le nom de notre personnage qui était dans le 4 et qu'on pensait qu'il était mort, et à la fin, tu as une scène post-générique pour dire qu'il a survécu, et on comprend pas vraiment quel est l'intérêt d'avoir fait survivre. Mais voilà, mais il est là. Il est là, ouais. Léon Kennedy. Voilà. Léon Kennedy, ouais. Tout est là. Léon Kennedy et Barry Burton. Quand même fou parce que moi, pour moi, Léon est peut-être. Bon, d'accord, Chris Redfield, il est important, mais pour moi, Léon, c'est. Tu vois, c'est. Voilà. C'est un gros personnage de la saga Resident Evil. Ah bah c'est le plus... Avec Jill et Chris, c'est Ah clairement ouais. le plus connu. Et en fait, tu vois, bon. Ils vont le foutre dans ce film-là, mais bon. Ah mais il est tellement secondaire. C'est ça. Mais c'est... Enfin, de toute Mais il a façon, la même coupe de cheveux. ce Il a film est la même coupe de incroyable. cheveux. Oui, même coupe, même pantalon que dans le 4. Ouais, c'est Voilà, ça, ouais. même tenue que dans Mais le je crois que 4. Hein. même tenue. Ouais, c'est C'est... ça. C'est la même tenue que dans le 4. Hein. Mais bon, c'est... Voilà, ça sert à rien. Ah mon Dieu. C'est ouais. Ouais, voilà, Luther, c'est ça. Ouais. Enfin, quand même, pour une équipe de choc, ils envoient que 5 pélos. Hein. Ah mais attends. Dans un truc où ils savent que. Enfin, vu que c'est Wesker qui envoie, il sait qu'il y a des milliers de saloperies là-dedans. Et il en envoie Non 5. mais c'est les meilleurs, c'est pour ça. Ouais, mais bon, quand même. Si c'est eux les meilleurs, l'humanité devrait déjà être. Ah là là, mon Dieu. L'équipe de choc. Et en plus, ils sont comiques. C'est ça qui est plutôt drôle. Ils balancent des petites punchlines et tout ça. C'est ce C'est qui manquait à voilà. Resident Evil, des blagues. Ouais. Parce qu'après En tout, revanche, si Jane n'est plus là, donc... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en revanche, je trouve un peu long quand même le film. Il se Petit peu. passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de dialogues. Ouais, là, c'est vraiment... Mais en fait, c'est parce qu'après, il y Ouais, a tellement plus c'est. d'histoire Il y a plus. qu'ils nous mettent tout maintenant. Parce que là, Donc il y ça, a après, c'est Wesker bon. qui. Ça fait un quart d'heure qu'il parle Wesker, là, je pense, tu vois. Là, ça fait un petit moment qu'il parle, oui. Ah,
Mon équipe de choc, énorme. Voilà, c'est ça, Mec, c'est. t'es un champion. Non, mais t'es un génie, quoi. C'est tu passes ce niveau, qui va passer ce niveau, qui va passer ce niveau. Ah, le rock signal est localisé. Donc, Ah, spoiler, du coup, voilà. la reine rouge Ouais. est là. Oui. Donc, celle du premier film. Tout à Et fait. elle a survécu alors qu'on lui avait complètement grillé. Ouais, nous aussi, on a Ouais. déjà entendu cette réplique. Ouais. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont ressorti la Reine Rouge. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont ressorti la Reine Rouge. Oh, moi j'ai un manque d'inspiration, mais bon, on n'est plus à ça près, quoi. Oh non, mais clairement, oui, non, on n'est plus à ça près, ça c'est sûr. Mais c'est, je sais pas. Ah non, mais moi non plus. Surtout que c'était pas la meilleure idée, la Reine Rouge. Tu vois, c'est. C'était déjà pas une bonne idée dans le premier film, et alors du coup, le ressortir pour le cinquième film, tu mais quel putain d'intérêt. Déjà, quel putain d'intérêt de faire un cinquième film, tu vois, c'est vraiment. Oui, non, mais Voilà. là, à À part le. part. Si, l'argent. Voilà. Oui, voilà. Ouais, l'argent. Oh, l'effet 3D! Oh là 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 Tout là. à fait. Mais je rigole, mais je l'ai vu en 3D en plus le film. Ah non, par contre, moi, je l'ai pas vu en 3D. J'ai vu en J'ai pas 3D, poussé ouais. le vice à ce point-là non plus. Ah, c'était l'époque où il y avait plein de films qui sortaient en 3D et moi je les voyais en 3D, tu vois. Tu vois, je suis le mec qui a vu le choc des titans en 3D, alors qu'il y a que le générique du début qui est en 3D. Non, bah moi j'ai pas regardé. Parce que le problème des gens qui ont des lunettes de vue, c'est que lunettes de vue plus Ah film oui, 3D, c'est c'est pas bon. gavant as C'est fuck. ouais. Donc C'est ça. j'ai fait une fois et après je fais oh, plus jamais. Bon, c'est fini. Ça m'avait filé une migraine, donc je fais non, bah deux paires de lunettes, c'est pas la peine. Ouais, non, mais n'empêche, tu vois, il y avait quand même des soldats et bim. C'est fini, Allez, direct. c'est fini, ouais, ils les ont Parce que c'est les exterminés, meilleurs, donc c'est les meilleurs. mais c'est les meilleurs, ouais. Bah, elle fait flipper quand même la fillette, hein, moi je te dis. Vraiment. Ouais. Ah! Ah! Pepsi Max, zéro calorie. Allez, petite pub. Alors on fait ce qu'on peut. Ah bah oui. Vu qu'ils sont Avant en c'était Sony. sous-marin, enfin, et qu'ils sont cachés sous la mer en Russie, je peux pas faire des tonnes de placements produits, mais ils ont Ouais. réussi à en refourguer. Tu vois. Ils ont remis les bourreaux de Resident Evil Eh oui. 5 qui étaient dans le précédent film. Tout à fait. Et encore une fois, d'où est-ce qu'ils sortent? On n'a aucune explication, c'est juste, ah bah ils ont ça dans le bestiaire, c'est tout. Tu dis, mais pourquoi Voilà. quoi? C'est génial. Moi, je kiffe. Le même bruit que dans le premier film. Tout à fait. Et puis bon, voilà, une petite scène ralentie. Oula, alors là, elle va sortir les guns. Ada Wong a la même position que dans les jeux vidéo. Et ça, c'est très bien. Bah oui. Ouais, bah oui. Il faut que ce soit comme dans les jeux. Mais, dis-moi. Est-ce que Ada Wong va servir dans cette scène-là ou est-ce que c'est Alice qui va avoir le dernier mot? Eh ben, je vais te surprendre, mais c'est Alice Ah, qui purée, va faire le c'est taf. fou. C'est fou quand même. Et Alice, il n'a toujours pas de pouvoir. Non, toujours pas de pouvoir. Voilà. Ada qui n'en a pas non plus. Qui est Ouais. forte, hein, c'est une espionne, donc elle, qu'elle soit physiquement apte, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Par contre, qu'il y ait deux bourreaux et qu'elle soit là, tu vois, tu fais. Je veux pas être défaitiste, hein. Mais. Voilà, va falloir plus qu'un Ouais, petit flingue. c'est ça. Ah, oh, le film est en 3D, je sais pas si vous en rappelez. Oh mon Dieu, c'est génial. La 3D, Même c'est incroyable, l'eau hein. est en 3D. Ah. Bon, déplace-toi plus vite, Aïda, parce que là, ça va être compliqué. Aïda. Voilà, donc elle a déjà une idée pour se débarrasser des deux en un coup. C'est ça. Parce que, bah, elle a le temps de réfléchir, hein, pendant les cas, donc voilà, forcément. Voilà, petite esquive, hein, Allez, c'est du parti, hein. marteau géant, évidemment. Ouais. Toujours pas de pouvoir. Elle arrive à esquiver un marteau. Et alors là, bam! Voilà, petit saut Oh là là là, périlleux. saut périlleux. Ils sont deux, elle est seule. Soulève Dans la la vraie bagnole. vie,
Non, mais dans la vraie vie, elle serait morte. Ada est là. Ouais, Ada est là. Pierre ralentit sur les balles pour nous expliquer que ah bah c'est comme ça que ça marche les explosions, c'est dingue. Et puis le film est en 3D. Oh là. Voilà. Et voilà. Merci Alice. Ouh, la montre connectée. D'une marque, voilà, évidemment qu'on Ouais. ne citera pas. Bah. Alors du coup, Tout à fait. je rappelle que là, pour montrer que même le côté, dire, fusil de Tchekhov ne marche pas, Oui. ils ont allumé le truc de l'essence du camion-citerne et au final ils ont explosé une bagnole. Pourquoi tu nous fais C'est chier avec l'essence du camion-citerne? énorme. C'est énorme. Ce détruit la logique du fusil de Tchekhov. C'est pas Oui, normal. non, mais. Ça ne marche pas comme ça. Le film est une incohérence à lui tout seul. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vraiment un jeu vidéo, hein, Ah mais vraiment, c'est. vraiment. Puis là du Waouh! coup, activer les Last Plagueis Undead, ce qui n'a, bon pour ceux qui sont fans du jeu, aucun sens, parce que soit tu es affecté par le parasite, soit tu es un zombie, tu peux pas être les deux. Tout à fait. Mais dans ce film, c'est les deux, parce que ferme ta gueule. Voilà. Ah, la séquence Moscou. Voilà, donc C'est là c'est la parti. séquence Moscou sans la fille d'un philosophe qui meurt dans un accident de voiture mystérieux. Ouais. C'est Moscou normal. Beau placement produit pour la voiture. Ah oui. À peine caché. Ah oui, au fait, les. Est-ce que tu penses que Paul W. Anderson a vu Dead Snow? Parce que je pense qu'il l'a vu, moi. Je pense qu'il s'est fait une petite soirée zombie, tu vois. Ouais, et il a dit je Il vais a dit. pomper au maximum de ce que je peux. Ouais, c'est ça. Il a dit, oh, Death Note, ça a l'air pas mal. Donc voilà, on a des zombies soldats qui ont des flingues et qui maîtrisent les flingues. Hein. C'est-à-dire que Et c'est qui ont même le pas ils même tirent au hasard, maquillage c'est ils sont que. là. Et c'est vraiment un maquillage très similaire à celui de Death Snow. Hein. Ah mais C'est vraiment. littéralement, c'est du foutage de gueule. Enfin, toute cette séquence c'est du foutage de gueule. Donc là, Alice et Ada Wong se retrouvent sur un terrain de foot. Donc il y a plein d'herbes. Un gazon bien Et non, bien c'est propre. Raccoon City. Et c'est Raccoon City, la scène qu'on a vue du Voilà. coup dans la réalité alternative qui, voilà, spoiler, était une simulation, mais ils ont mis une clone d'Alice et on ne sait pas pourquoi. Et ouais. Elle a aucun pouvoir, elle arrive à, enfin voilà, à se Oui, tout à fait. souvenir de trucs. Oui, non, mais génial. Parce que. Tu. Mais parce que Jason, arrête de réfléchir là, tu te fais du mal. Non, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, je me fais du mal. Je me fais du mal. Fini de réfléchir, hein, c'est raison Ah, télé là. mon Dieu. Et Ah, oui, voilà. on lui rappelle. Ah oh, putain, c'est vrai, il y a eu des clones à un moment. Ah ouais. Bah ouais. Mon Dieu. Mais oui, parce que t'es trop fort, t'es trop Donc fort, toi, oui Alice. voilà, donc les humains des simulations c'est des clones. Eh oui. Et donc le Carlos qu'on avait vu, c'est un clone du Carlos qu'on a connu, mais c'est juste un clone. C'est ça. Et voilà, il y a des clones de plein de gens, sans aucune explication du pourquoi eux et pas d'autres, mais voilà, ils sont des clones. En revanche, il n'y a pas le clone avec Élie Dieudonné. Non, non malheureusement, Kev Adams n'a pas eu son clone non plus. Non, il Il n'a n'a pas eu pas son fait clone. partie de la sélection des 50. C'est dommage. Non, On perd des grandes personnes. est-ce que tu te rappelles du film Le Clone avec Élie Dieudonné? Alors, de nom, oui, mais je vais peut-être te décevoir, je ne l'ai jamais vu. Faudrait que je le revoie, mais je crois que c'est une pépite. Hein. Je crois que c'est un petit nanar. Très bien, eh bien écoute, je prends note. Du même niveau que l'extraterrestre avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Celui-là était. Celui-là, je m'en rappelle bien, malheureusement. Celui-là, ouais, celui-là, je m'en souviens. Alors là, je pense qu'elle va retrouver sa fille. Sa fille qui s'appelle Becky.
Et sa fille qui va forcer Mila Jovovic à avoir des, à jouer quelques émotions de plus qu'elle ne pouvait pas faire face à des zombies. Tout à fait. Et zombies. Eh, zombies. Ce qui n'a aucun sens, d'ailleurs, que le zombie soit resté dans le placard, hein, parce que dès qu'il aurait entendu des bruits, le zombie aurait dû foncer. Mais bref. Tout à fait. Ouais. On est plus un zombie à sa près. Un zombie malin. Elle va devoir jouer et faire croire qu'elle a des émotions. Incroyable. Oh mon dieu! Ok, donc bon. La petite est pas trop traumatisée parce que elle voit sa mère avec un flingue et tout ça. Non. Voilà, elle ouais, lui dit. Après, qu'est-ce vu t'as le fait bordel que c'est, est-ce qu'elle est vraiment à sa mère avec un flingue près, quoi? Ouais, c'est vrai. Non, mais elle dit, qu'est-ce que t'as fait à tes vêtements et à tes cheveux? Ouais, pas où est papa Ouais, voilà. Ou qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'as un flingue? Voilà, non. Oui, donc on le voit, hein, les zombies ont aussi des motos. Tout à fait. Ils ont des flingues, ils ont sur des véhicules. Et ils avancent normalement. Enfin, je veux dire, typique des zombies. Hein. Bah oui, non, mais c'est la Quand base. Quand tu penses zombies, tu penses hommes armés, organisés avec véhicules. Et par contre, l'équipe de choc a des armes illimitées. Enfin, les munitions illimitées. Hein. C'est pour ça que c'est l'équipe de choc, ils ont les munitions illimitées. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça, c'est fou, quoi. Alors, spoiler, cet homme est très proche de sa retraite. Genre, vraiment très proche. Mais très très proche, quoi. Genre... Oh là là, les montages photos, ils sont scandaleux. Oui. Non, mais c'est lamentable. C'est honteux qu'un film qui coûte plusieurs millions de dollars fasse des photomontages aussi dégueulasses. Au lieu de simplement prendre vraiment des photos. 65 millions de dollars, quoi. Tu pourrais juste prendre les photos, t'avais les acteurs à disposition. C'est lamentable. C'est dégueulasse. Allez, bim. Bah, la petite aussi joue bien. Bah, la petite, elle joue comme une... Moi, les enfants, généralement, les enfants acteurs, je suis assez... je pardonne ouais, assez facilement. Ouais, toi, tu pardonnes, ouais, je comprends. Mais il y a des enfants acteurs qui sont très mauvais, et eux, je peux pas les encadrer. Hein. Mais quand ils sont un peu mauvais, mais pas au point de me sortir du film, tu fais « Ah, ça va ». Donc, Michel Rodriguez. Et Michel Rodriguez, ouais. Et... Oh, oui. Le chef des mercenaires du premier film qui avait fini en apéricube. Tout il à est fait. Là. Le saumon, mon préféré. Ah, la reine rouge. Ouais. Voilà, donc clin d'œil. Eux aussi, ils faisaient partie des gens clonés. Oui, tout à fait. Et ouais. Donc, ce second Carlos, là, on a le Carlos mercenaire maintenant. Ada Wong, balèze. Tout à fait. Ah oui, et au fait, même si Alice parle la langue des signes, parce qu'évidemment qu'elle maîtrise aussi le langage des signes. Hein. Oui. C'est, fallait partir du principe que c'était évident. La pose de Jill, elle est quand même honteuse. La pose de Jill est quand même... Waouh. Parce que, en vrai... T'arrives pas à viser quand tu te positionnes comme ça, c'est pas possible. Oh là là. Catastrophe quand même. Hein. Ah, mais vraiment. Et puis, alors là, effets spéciaux et tout ça. Ouais, le coup de la corde, c'est dégueulasse. Ouais, c'est... Enfin, ça a vraiment mal vieilli. Alors que ça a 10 ans à peine. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Mais ça a très mal vieilli. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les lunettes à flelou. On lui donne même le lance-grappin d'Aida Wong. Ah non, c'est fou. Incroyable. Non, parce qu'elle est, elle est trop balèze pour ça. Bah oui, dire, Aida n'a pas le droit d'avoir son propre arsenal hein, au bout d'un moment. Non, du tout. Il n'y a que Alice qui a le droit aux trucs stylés. Et pourtant, tu vois, il y a des scènes, je me dis... Tu vois, par exemple, cette scène-là d'Ada Wong, je la trouve badass. Je la trouve cool. Ouais. Ouais. Mais c'est une bonne mais idée. Non.
Mais tu vois, c'est une bonne idée sur 1h20, quoi. Donc, Oh, Ali, ah oui, ah oui, c'est vrai, Oh! cette blague Ah oui, absolue. allez. Alice est blessée. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va avoir la moindre incidence dans le film? Bah non! Bah non, pas du tout. Du coup, pourquoi est-ce que tu as introduit le fait qu'elle est blessée? Mais parce que en Connard de fait, elle film est. de merde. Mais parce que en fait, elle est humaine, tu comprends? Oui, bah oui, elle est complètement humaine. D'ailleurs, c'est ça, les humains qui sont blessés par balles, ils peuvent Oh bah voler, faire des acrobaties, il n'y a pas de problème. oui. Oh bah je prends un désinfectant, tiens. Voilà, donc on a dû tomber avec tronçonneuse. Et ça, c'est une bonne idée, tu vois. Ça, je trouve ça plutôt cool. Mais ça, c'est probablement Oh, l'effet spécial et. le plus moche du film. Ça. Là, c'était honteux. Ouais. Les zombies qui rigolent, hein, d'ailleurs, au passage. Zombies qui rient avec une tronçonneuse, ça n'a aucun sens, mais bref. Ah, c'était la grosse mode aussi du sang en 3D aussi. Oui, une mode que je hais du plus profond de mon âme. Ouais, je comprends moi aussi. Parce que ça coûte pas plus cher que de faire du faux sang, donc je comprends même pas l'intérêt. Enfin, c'est. Et ouais, Michel Rodriguez qui Et joue ouais. deux rôles en même temps, c'est incroyable. Ah, c'est une grande actrice. Excellente question, Michel Rodriguez. C'est quoi cette tenue SM? Ouais, voilà. Alors, tu vois, je trouve que c'est des questions importantes parce que quand tu vois, comment dire, la fille qui disait bah, pourquoi t'as changé de coupe de cheveux, là au moins, mais pourquoi t'as des flingues, pourquoi t'es habillée comme ça, tu vois, au moins c'est logique. Oui. Et donc, Alice va apprendre à Michel Rodriguez à tirer. Voilà. Et donc, du coup, Michel Rodriguez va, juste en un cours de 2 secondes, bam, va savoir tirer. As-tu déjà fait du tir en stand, tout ça? Est-ce que tu as déjà fait? Non, je fais du airsoft. Alors j'ai fait du tir Ouais. à deux occasions et la formation ne dure pas 2 secondes. Spoiler, elle dure Ouais. 10-15 minutes quand même. Ah ouais, c'est. Non, mais Faut c'est bien parce nous que c'est parler de la normal. position à prendre, tout ça, parce que sinon, le retour des armes, tu te le prends dans le nez et ça fait mal. Ah, ça fait mal, ouais. Et puis il y a un truc aussi qui est assez impressionnant, c'est que les armes, en fait, c'est assez lourd, et en fait, enfin, elles sont assez lourdes, et du coup, Michel Rodriguez la porte d'une seule main. Voilà. Tranquillou. Alors. Ah, c'est la folie là. Voilà, le carton d'invitation, le Ça, c'est fameux probablement le carton placement de produit le d'invitation, plus violent. ouais. Voilà, c'est ça. Elle arrive avec sa super voiture, elle sait que c'est l'équipe de choc. Voilà. On est à Moscou. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a quand même un Léon qui est très con. Hein, Alors, voilà. j'osais pas le dire, mais maintenant que t'abordes le sujet. Ouais, Léon, il est con dans ce film, on est Ouais, d'accord. il est très con, quand même. Là. Alors, il me semble qu'il y a quand même un effet spécial qui est dégueulasse à la voiture à un moment donné. Ça m'avait marqué à l'époque. C'est, je crois, quand ils vont descendre dans le sous-sol. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Oui, là, au fait, évidemment, hein, tout de suite, je rappelle que ce film est censé être un petit peu horrifique. Oh, Là, bon, on là a de pour le la moment, il n'y a poursuite de rien. bagnole avec des flingues, machin, des. Voilà, c'est terrible. Les zombies qui conduisent et tout ça, non, c'est. Placement produit pour montrer que la voiture, elle est quand même trop belle, hein, la voiture que conduit Bah Alice. ouais. Ah, c'est grosse Évidemment, poursuite, hein, grosse zombie poursuite. en tenue d'armée qui lance un lance-roquettes, hein, C'est on n'est plus à ça. ça près. On n'est plus du tout à ça près.
Ah, c'est impressionnant. On a un zombie militaire, mais en flamme. Oui. Sur le papier, ça pourrait être stylé. Ouais. Mais dans le Mais que film sur dans lequel papier, on ouais. est, ça ne C'est l'est pas pas. ouf. Bah, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, elle a fait que le tour du pâté de maison, hein, en gros, Ah oui, hein, non, parce mais oui. qu'on retourne au même endroit. Hein. Les zombies à sulfateuse et à moto, hein, évidemment, C'est ça. c'est très horrifique. C'est la base. Oh là là, elle a fait une Bruce Willis. Voilà, très bien. Voilà. Et la portière n'a pas été détruite, parce que c'est Et une non, pas portière du ultra tout. résistante. Tout à fait. Portière russe. Ah oui, au fait, on n'en a pas parlé. Il y a un liqueur géant. Ouais. Parce Tu que sais pas ce qu'il fout évidemment qu'il y a un là. liqueur géant. Tu sais pas ce qu'il fout là, mais bon. Attention. Hop. Voilà. Voilà. C'est génial. C'est dégueulasse. Ah, je. Oui, ça Voilà. l'est. C'est ouais. Visuellement, Voilà. ça c'est pas. Oh, là, toute la voiture, ça. Oh là là. Putain, je. Là, on se croirait dans Sharknado, quoi. Ah ouais, là c'est. Si la du PlayStation 3, c'est pas. C'est pas fifou. Et ouais, et aucune égratignure, hein. C'est-à-dire Ah bah, que un être humain vraiment évidemment. normal, bah, il serait mort. Mais non, Alice est humaine. Mais elle va bien. C'est bien, Léon, il ne reste que 22 minutes. Voilà. Ouais. C'est bien. Ah bah, d'après mes souvenirs aussi, la scène, on s'approche de la fin, hein, du film, mais pour moi, la scène de fin était quand même énorme. Mais tout le combat de fin, Ouais. où ils ont essayé de piquer cette fois-ci Mortal Kombat, Oui, étrangement, ouais, c'est génial. tu dis mais Ah, qu'est-ce en qui même se passe temps, quoi? Paul Wes Anderson. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau malade de Paul W. Anderson? Voilà, petite scène pour nous montrer que ah bah le Ah liqueur bah. géant Ah bah, il est vivant! est encore là. Ah là là. Ouais. Bon, ça reste quand même le meilleur Léon, mais il est très con. Hein. Voilà, là, Oui, j'avoue que. Ouais, malheureusement. Enfin, c'est que c'est l'autre chaud, est hein. tellement C'est. con que. C'est ça. T'es qu'un mec très con, tu fais bon, ça va. Parce qu'au moins, t'es moins con que l'autre qui est vraiment Ouais, très très c'est ça. con. Mais il est quand même très con. Hein. Il On est n'a très eu con, très con. aucun Ouais. bon Léon adapté. Non, 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 c'est vrai. C'est juste que lui, c'est le moins pire. C'est ça. Ah, on touche au but. On Ah touche au ouais. but. Mais spoiler, vous voyez qu'il reste au moins 25 minutes de film, donc il va encore se passer quelques trucs. Ah oui, je peux vous dire que là, ça va cogner. Je comprends même pas pourquoi elle parle en fait, Reine Rouge, vu que c'est la seule à contrôler. Ben, je sais pas, Donc je peut-être comprends même parce pas cette scène où on que. la voit en train de parler machin. Tu fais juste, bah, on sait que c'est toi qui contrôle tout de base. Ouais. Donc quel intérêt de nous dire, ah ils sont là. Bon bah je vais lâcher des armes ici. Contente-toi de le faire. Et nous, le film, les spectateurs, on va comprendre qu'il se passe des trucs. Tu vois, on n'a pas besoin du cerveau de Reine Rouge qui nous dit les trucs. Non, peut-être elle veut imiter le père Fouras, tu vois, en Ouais, puis disant je vais tu leur gagnes faire 10 secondes, 3 ça. fois. Ouais, C'est voilà, presque ouais. une demi-minute gratos, hein. Ouais. Ouais. Donc là, comment dire, elle dit à sa fille, sois forte, ouais. Je vais te protéger. Je vais te protéger, t'inquiète.
Ouais. Et il se passe C'est quelque fou parce que chose. il se passe quelque chose. Ah bah voilà. Désolé Barry Burton, tu as... C'est bientôt fini pour Ah. toi. Et c'est Ah fini bah pour Michel Gentil Rodriguez. Rain. Ouais. Merci Michel Rodriguez d'avoir fait l'effort de Voilà. jouer à autre chose qu'une badass pendant 5 secondes. C'est ça. Maintenant, ton rôle de badass, tu vas pouvoir le reprendre. Avec un petit peu de sang là, voilà. Le mec crache du sang pour dès qu'il est blessé. Oh bah oui, je pense que tu te prends un liqueur dans la tronche, t'es mort. Oui, bah la nuque brisée, c'était un bon indice. Oui, c'est... Alice aurait survécu. Et ce qui est fou, c'est que pareil, Léon a qu'une seule expression de visage. En fait, il n'y a que ses lèvres qui bougent. Parce que même ses yeux, ils clignent pas. Merci Léon d'avoir Voilà. été très convaincant. Tout à fait. Merci Luther d'avoir Ouais, presque mais été c'est... utile. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est fou comme quoi, tu vois, les personnages, bam, partent comme ça. Bah, c'est au moment où il pourrait presque se montrer utile et faire autre Ouais. chose que laisser tout le boulot à Alice. Ah bah non, il Ah m'arrive bah oui. quelque chose qui fait que je dois laisser tout le travail à Alice. Ah Mais bah oui, putain. hein. Ah, parce que Alice, voilà quoi. Ah bah parce qu'Alice, c'est Alice quoi, bien sûr. Gros placement C'est produit pour ça. le communisme au passage. Oui, tout à fait. On n'avait pas dit, on n'avait dit pas de marque, mais... Peut-être que la Russie a financé un peu le film. C'est pas impossible. Alors là, tu vois, c'est fou, tu vois. J'ai l'impression qu'on est un peu comme dans... Je crois que c'est dans le 4 ou dans le 3, où... Ouais, je crois que c'est dans le 3, où en fait on est vraiment dans un film d'action. Et là... On essaye de mettre un peu de frayeur, tu vois, Oui, c'est mais une pièce c'était dans assez le 3 quand elle sombre. allait Voilà, affronter c'est ça. le docteur dans la Ouais. base, quand elle avait vu tous ses clones et machin. Et Ouais, oui, même tout à fait. là. Là, c'est pareil, tu vois. C'est... Arrêtez de nous faire croire. C'est pas en nous foutant des lumières qui clignotent que... On en est à 1 heure de film, quoi. Et on a Ouais, vu la c'est ça. saloperie que tu nous as balancé à la gueule depuis le début. On est... Arrête de nous faire croire qu'il va se passer quelque chose d'horrifique maintenant. sais, c'est le... Ils vont dire, ouais, il va y avoir un jumpscare et tout ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais un jumpscare. En fait, c'est ça. C'est forcément flippant, il y a des jumpscares. Réagir n'est pas la même chose qu'avoir peur. Et ça, beaucoup de films d'horreur des années 2000 n'ont pas su faire la différence. Ah, bah oui. Promenons-nous dans les bois, on t'embrasse. Beaucoup de remakes aussi, comme Meurtre à Saint-Valentin 3D. Ah, purée, oui, c'est vrai. Tu as Ah oui, raison. Alice est Oula! blessée. Ah, mais c'est elle. Ah! Elle est blessée! Elle est blessée! Ah là, C'est ah ouais. vrai. Ah ouais, ce qui l'empêche d'avancer. Ah bah non, finalement, c'est Non, bon. finalement, ça va. Et puis ça va pas l'empêcher de casser la gueule au liqueur géant. C'est ça, c'était un point de côté en fait. Non, mais c'est histoire de gagner 5 secondes encore. Bon. Attends, reste C'est là pour ça. dire que t'es blessé. Voilà, c'est 5 secondes gratuites. Bah, Barry est quand même à... Voilà, il se sacrifie pour l'équipe, hein. Ah, Barry. Merci Barry. Merci Barry. Barry, adieu. Une fin de tournage très proche pour Barry Burton. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent les jeux, évidemment Barry Burton hein, de Resident Evil 1 et de Resident Evil Révélation 2, qui est très Tout à sympathique. fait. Oui. Exact. Le premier Il me Révélation est très semble... ennuyeux, mais le deuxième, j'ai trouvé très sympathique. Il n'était pas sorti sur la Nintendo 3D? 3DS, Ouais, le premier Nintendo... Ouais, 3DS, 3DS, pour ouais. lui. Ah ouais. Ah ben bah, j'ai dû jouer à celui-là alors. Ouais, celui avec Chris sur le bateau. Il me semble, ouais. Ouais, celui-là, c'est le premier. Il est pas terrible. Le 2 est plus sympa. Donc là, en fait, on est dans Matrix.
Oui. Mais d'ailleurs, aucune explication. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué la gamine? Et pourquoi est-ce qu'il a des œufs? Okay. Bah voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Voilà, donc elle est toujours humaine, hein. Elle est toujours humaine. Oui, bien Elle sûr. fait des trucs de fou, là. Elle fait des trucs de fou, elle est humaine. Et elle est blessée, hein, blessée par balle. Elle est... Ouais, c'est... ça c'est... Donc voilà, le liqueur se fait des cocons, comme genre des xénomorphes, mais... C'est ça. Aucune explication du pourquoi, parce que ça n'était pas le cas avant. Mais bref, ferme ta gueule, c'est le cas, c'est tout, faut l'accuser, voilà. Accepter, et puis voilà, faut souffrir en silence. Mais tu vois, enfin, je sais pas, quand t'es dans un cocon, tu sais, c'est un peu dégueulasse à l'intérieur, tu vois. Eh ben non. Alors, tu remarqueras quand même le faux raccord. Enfin, le faux raccord. L'incohérence. On est encore dans une incohérence. La petite fille est nickel, hein. Ah bah. La petite fille est nickel, c'est-à-dire qu'elle sort, elle est pas, comment dire, elle a pas de comment dire, de graisse, rien du tout. Non, non, elle était juste dans un truc organique. Ouais, c'est ça. Alors que l'autre, là, t'as vu, c'est ça dégouliner, hein. Oui. Ouais, t'as raison. C'est le seul défaut du film, Non, c'est le effectivement. seul défaut, parce que c'est quand même un Jusqu'ici, ça allait chef-d'œuvre, très bien, mais là. là. Ouais. Ah, c'est le petit truc, tu vois, je me dis, ah, Paul, Polo, t'aurais dû faire gaffe à ça. T'étais à pas grand-chose, mec. Ouais. Ah, Michel Rodriguez qui revient. Bad Michel Rodriguez. En vrai, qu'est-ce que Barry, il en a à foutre qu'Aïda Wong elle se fasse Oui. exécuter? Franchement. Qu'est-ce que lui, il en a à branler? Franchement. Et on s'en fout. Voilà. Barry, ciao. Barry qui va quand même avoir un ultime sursaut. Et voilà. Oh, le flingue en 3D quand même qui est bien visible. Trop bien. Voilà, fin de tournage pour Monsieur Apéricube. C'est ça. Et voilà, fin de tournage pour Barry Burton. C'est ça. Acteur qu'on voyait souvent dans les années 2000 quand même, hein. On le voit un peu moins, cet acteur. Oh! Plein de clones. Plein de clones! Ah, c'est des méga clones là. C'est comme si tu vas aller au pressing, tu Ouais, c'est exactement. Tiens. Ah, j'ai taché mon clone la dernière soirée. vois. Est-ce que vous pourriez. Le nettoyer, mais pas de souci. Tenez le numéro, ça sera le numéro 170. C'est énorme. C'est super bien fait. Ouais, ça se voit, hein. Ça se voit que c'est pas du tout des images de synthèse dégueulasses, hein. Ah non, c'est. Là, c'est super bien fait. Putain, mais quel intérêt. Alors qu'avec des mannequins et un peu de Ça fausse aurait peau, machin, enfin, été tu pourrais faire largement quelque mieux. chose. Mais là, regarde, Michel Rodriguez 50 fois mal fait en trans en... c'est choquant. Voilà, là c'est C'est... bon, là c'est Ah, honteux, mais je dirais, là mais c'est c'est dégueulasse, là réaliste. c'est dégueulasse. Oui, parce que c'est Alice. Là c'est Alice. C'est ça. Les autres c'était des effets spéciaux dégueulasses, mais Alice non, elle a le Ouais. droit au vrai truc. Du liqueur Ah non, géant. le cœur géant est de retour. Avant j'étais pas ta mère, mais maintenant je suis vraiment ta maman. Voilà. Lickers. Voilà, typique d'un truc d'humain blessé, Oui, mais bien non, c'est sûr. normal. Bah ouais, bah le grappin, voilà, l'explosion, elle est vite. Allez, let's go! Allez, c'est parti, ils font tout péter. Voilà. Tout pète. C'est énorme. Le truc sous l'eau pète. Voilà, on À noie Carfax. tout le Ouais. laboratoire et enfin le truc de test, je sais pas Et là, comment je faut peux te appeler dire, ça. là, il y a de la pub. Hein. Là, il y a de la pub. Et là, il y a du pognon. Ah putain, là, il y a. Waouh, du placement de produit, on en a. Et c'est Voilà. fini, fin de tournage pour Carlos Oliveira.
Eh ouais. Enfin, la troisième version de Carlos Oliveira. Il a dû s'éclater à faire ses effets spéciaux. Il s'est dit, oh, ça va être génial. Là, la petite musique rock de victoire, genre yeah! Yeah! America! Fuck yeah! Ah. L'Alaska, non, je déconne. C'est pas... Non, pas l'Alaska. Là, on nous avait dit que tout irait bien. Donc là, ouais, là, ils s'en vont avec un appareil de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Freeze. Freeze. Salut Freeze, je Je suis suis Batman. Batman. Incroyable. T'es givré, Freeze. Mais en soi, tu vois, là par exemple, le décor est plutôt sympa, tu vois. Là, tu te dis, oh, Ben c'est là, plutôt pas oui. mal. Mais parce que, Ouais. voilà, on arrive sur la fin, donc ils mettent tout le pognon maintenant, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Oula. Mais que se passe-t-il? Eh ouais. Ah ouais, mais c'était pas beau, voilà. Ça, c'est pas beau. Mon Dieu. Donc là, en fait, il y a Vin Diesel avec son, comment dire, sous-marin qui arrive dans Fast and Furious 8. Ah, mon On Dieu. voit quand même qu'on dépend des corps naturels, hein, parce qu'on voit pas très loin Ouais. en utilisant l'excuse de la neige en disant ah bah C'est ça. on voit pas très loin, tu vois, et comme ça c'est très facile à faire un décor beaucoup plus tranquille en studio. Y a quand même de la chance qu'il y avait un manteau pile à sa taille dans la voiture. Hein. Tout à fait. Bah non, mais comme tous les vêtements lui vont. Ah mon Dieu. Le sous-marin. Umbrella. Et oui, Jill est encore en vie. Eh ouais, Jill Valentine. Et là. Ada Et aussi. Et Adèle, la ouais. troisième version de Michelle Rodriguez est aussi là. Toujours. Ah ouais. La tension. Là, c'est la tension, tu vois. C'est vraiment. Alors Léon qui dit je vous avais dit qu'elle aurait un plan. Bon, mec, c'est peut-être pas le moment de jouer de faire de l'humour là. Mais merde. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais bref. Non, mais ouais, mais on n'est On plus à n'est ça plus près. à ça près, donc je vais arrêter de réagir sur ça parce que sinon je vais faire du mal. Voilà. Ah oui, alors parlons-en de ce périlleux quand même Alors, de Jill. C'est incroyable. ah ouais. Donc, du coup, Alice est toujours humaine. Les impacts de sang sur Michelle C'est Rodriguez dégueulasse, qui sont très mal faits. c'est dégueulasse. Double sabre laser, mon gars. Ah, c'est génial. C'est Dark Maul, quoi. Ah non, mais j'adore en fait la réaction des deux comédiens, les Léon et Luther, qui sont en train de se dire waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wow. Ouais, c'est. Mais dans quoi on joue? C'est où? C'était carrément un bruit de prédateur là qu'il Ah ouais, c'est un bruit de Predator, y ouais, a tout à fait. eu. Ok. Au passage d'ailleurs, Prey, trop bien. Pas encore vu.
Mais je vais le voir, ouais. Ah, je te le conseille très très bien. Ah. Voilà, combat entre humaines. Hein, Ah oui, totalement, ça, totalement, ouais. ça j'en vois tous les jours sortis de la gare de Paris. Entre deux bourrées, les combats sont les mêmes acabits. Hein. Ah ouais, carrément, ouais. T'as les sauts périlleux de ouf. Tu sais, ça me fait penser un peu au combat entre Elektra et Daredevil dans le film Un Daredevil. petit peu, oui, tout à fait. Quel combat d'ailleurs. Dans le square. Tu sais, Ouais, mais je me Ah rappelle oui, c'est quel combat, extrêmement d'accord, bien ok. de cette scène, oui. Malheureusement, je me rappelle très bien de cette scène. Après, c'est mieux monté que Ah ouais. la scène de basketball dans Catwoman, par contre. Qui est restée dans les films de super-héros nuls des années 2000. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je croyais que t'avais dit que c'était mieux monté que l'ensemble de la saga Resident Evil, mais ouais. Non, quand même. Donc là maintenant, elle fait de l'UFC. Oui. Comment dire, ouais. Puis là, la musique, j'ai l'impression d'être dans un combat dans Tekken. C'est ça, ouais. Et c'est vrai, hein, comment dire, Oh, la on 3D! attend. Ah là là. On attend avec impatience, tu vois, que quelqu'un crie Mortal Kombat! Tu vois. Oh les combats. Ah. Ce qui est bien, c'est que J21, même si elle est contrôlée par le robot, le fait qu'elle se prenne des coups dans la gueule et qu'elle a quasiment aucune blessure visible, Ouais, non, c'est ça a sûr. aucune explication sur ça, bien sûr. Oh. Voilà. Non, ce qui est fou, c'est, tu vois, le mec est pas au courant que c'est un Resident Evil, il se dit, purée, c'est un film d'action, quoi, c'est... Ah, mais vraiment. Voilà. Donc, Ah, oh bah les là fameuses c'est... voilà, les fameuses scènes qui Voilà. sont des références au dernier jeu Mortal Kombat. Mortal Kombat, ouais. Puisque, faut le rappeler, Paul W.S. Anderson avait réalisé le premier film Mortal Kombat avec Christophe Lambert. Eh ouais. Donc, c'est un double hommage. Mais ça n'a aucun sens de le faire ici dans Resident Evil. Mais bref. C'est ça. Enfin moi, on me donne un coup dans le nez, je réagis pas comme ça, hein. Je pleure un peu, hein. Je pense aussi. Et bim, dans la tête. S'il y a bien un Allez. endroit où ça sert à rien de faire des coups, c'est bien au sommet de la tête. C'est là où c'est le plus dur, quoi. Quitte à Ouais, mettre c'est des coups ça, de ouais. coude, vise le nez, voilà, visez pas le front ou le sommet du crâne. Il est Oh, badass, Michel Léon. Rodriguez, Hein. Il ah s'est ouais, maltraité. Léon est génial. Mais surtout que ils auraient pu, tu vois, ils auraient pu les couvrir de sang parce que du coup il était classé R le film, donc ça posait pas un problème quoi. Mais là, on dirait, on se croirait dans Fast and Furious 7 où Vin Diesel a juste une petite coupure alors qu'il se prend des mandales dans la tronche. Oh là. Donc la G Valentine, là, elle va tuer Alice. C'était en fait super facile. Eh ouais. Et voilà. Elle s'est pas défendue quand on lui a pris l'araignée. Enfin, c'est. Non. Voilà. C'est juste. Elle avait galéré dans le film précédent à le retirer de Claire, mais là sur Ouais, Jill, mais là, non. Là, c'était très c'est très rapide. facile. Ouais. C'était la meilleure idée. Pourquoi est-ce que l'araignée fait un bruit? C'est un robot. Pourquoi est-ce que Je l'araignée fait... mon Dieu. Voilà. Ah, voilà. Alors ça, c'est une scène qui a fait audiblement rire le public au cinéma quand je l'ai vue. Ah, tu La m'étonnes. façon dont Luther tombe et re le regarde de débilos. Là, il n'y avait eu aucun soutien de la part du public en mode Non. Ah, il est mort comme une merde.
Ah, Michelle Rodriguez, pas contente, hein. Mais toi, Michel Rodriguez, jamais vu être contente dans la vie, hein. Non, c'est vrai. C'est pas son truc d'être contente. Non. Là, elle fonce, attention. Alors là, elle est humaine, hein. Oui. Et Ouais, voilà. le même coup que Luther, lui, il est mort. Elle. Ouais. Ah, c'est une égratignure. Ah. Purée, non, non, Sienna Miller. Là, tu jouais bien. Là, tu joues mal. Est-ce que ça se voit que le bloc de glace a un truc en carton tout pourri? Ouais, tout à fait. On se croirait dans Mortal Kombat 2, d'ailleurs, le combat entre Sub-Zero et Scorpion. C'est exactement ça, quoi. Vers le Mortal Kombat 2, incroyable. Aucune cohérence, hein, parce qu'elle se rappelle que c'est Alice, alors que Claire, quand elle avait enlevé Ouais. son truc, elle en avait eu littéralement la moitié du film où C'est ça. elle se rappelait de rien. Mais bref, là, elle se Voilà, rappelle même tout pas de de... suite parce qu'il faut que le film se finisse vite. Elle se rappelle même pas de son frère. Voilà, combat final est terminé. Voilà. Au revoir, Michel. Par une absence de combat final. C'est quand même. Choix couillu de même pas avoir fait une fin un combat de fin, quoi. Voilà, les zombies sous l'eau. Parce que les zombies nagent. Eh ouais. Parce que ferme ta gueule, c'est comme ça, zombies nagent. Ferme, mais c'est ça. Ils ont peut-être des Jeux Olympiques aussi, les zombies. Ah oh, mon Dieu. Ah! Dernier punchline? Voilà, je te souhaite bonne chance. Punchline de d'Alice. Voilà, et fin de tournage pour Michel Rodriguez. Ouais. Toute la saga, un spoiler, elle ne sera pas dans Resident Evil Bah, 6. tout à fait. Ada qui a bien rien foutu dans la scène de fin. Ouais, tout à fait. Hein. Un personnage qui sert énormément. Leon. Ah. Donc là, bon, voilà. Elle s'est quand même faite Là, il éclater. reste 5 minutes de film, même pas. Hein. Voilà. S'est fait éclater la cage thoracique. Voilà, elle est toujours vivante. Même si elle tombe comme ça, mais c'est juste qu'elle s'évanouit. Ouais. Parce qu'après tout, elle est humaine. Hein. Elle est humaine, ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison. Ah, elle retrouve sa fille. Ça, c'est bien. Alors, retenez bien, spoiler, retenez bien sa fille, retenez bien Ada, retenez bien Léon, et retenez bien Jill, parce qu'on les reverra pas. Ils sont pas dans la suite, et on n'a pas d'explication. Si, on en a une d'une phrase, je crois, genre, ah oui, bah en fait, Wesker a trahi, tu sais. D'accord? Ouais. Et donc? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc voilà, retenez bien. Quel Bah, ils intérêt de sont faire revenir Jill dans... pour pas la garder pour le reste du film? C'est ça, ils Faut sont en train vraiment. de... Paul W. Anderson, mais vraiment, quel escroc ce mec! Ah, c'est un escroc. Mais je pense qu'ils sont dans le même monde que Chris Redfield, tu vois. C'est Oui, c'est ça, ils vraiment... sont dans le même. Oui, Voilà, c'est ça. le même univers. Hein. Ils sont avec Chris Redfield de l'autre côté de la planète. C'est ça. En sécurité, en Alaska. Le mouvement de creep Ah de ouais. Léon S. Kennedy. Ah ouais. Non. Eh ouais, tu t'es pris un râteau. En même temps, mon loup, tu Voilà. puais la défaite dans ce film. Ouais, déjà, ça se sentait sur ton visage. Alors là. Ça, mais Alors vraiment. là, tu sais que quand j'ai vu cette scène finale, Tu t'es je me dit, suis ah, dit, le prochain film, il va ah être trop bien. ouais, exact.
Et oui, c'est comme ça qu'ils nous ont. Hein. Si, c'est un peu c'est comme comme les ça sous, qu'il tu a le vois. public continuellement. Hein. C'est Ah curieux qu'il ouais. fait une suite, tu dis, ah oh, bah peut-être. Hey, Alors c'est le peut-être. Et dernier. en fait, non. C'est le dernier, ça va aller. Wesker au bureau Et ovale, Wesker, incroyable. ouais. Formidable. Donc vous vous rappelez quelle c'était humaine? Voilà, c'est terminé. Ouais, et voilà, non, et Et plus vous allez humaine, voir ça que dans le y prochain film, ça fait aucune différence avec ce qu'elle est. était déjà dans ce film. Donc elle sans les pouvoirs et elle avec les pouvoirs, c'est pareil. C'est la même chose. Et elle va même pas récupérer le pouvoir de la force avec la télékinésie et machin. Donc vraiment, ils lui ont redit ses pouvoirs, mais il se passe rien par rapport à ce qu'elle était là depuis le 4. C'est Donc je ça. sais vraiment, ça a doublement aucun intérêt, quoi. C'est fou. Je vais te tuer. Génial. T'as la réplique. Voilà, donc là Voilà. vraiment, c'est vraiment la Là, je me. préparation du plus Ah, gros à faut. suivre. Quand tu dis, oh là là, t'as Ouais. Jill et Léon et Aïda et Wesker en allié Ouais. avec Alice. Putain, il va se passer trop de trucs dans le 6. Ah ouais. Non, il va rien Non. se passer parce que fuck ce film et parce que Paul W. Anderson, il t'emmerde en fait. Ouais, bah ouais. C'est dingue que ces films aient été écrits par la même personne. Oui, non, c'est fou. Hein. Dire, c'est lui qui produit, donc c'est même Non, pas mais qu'on ne vienne pas me dire ah oh ben non, non, mais c'est je les pense qu'il producteurs qui regarde. auront niqué ma vision, machin. C'est lui qui a toutes les clés en main et il a foncièrement choisi de faire de la merde. Alors C'est que fou. là. Alors que là, c'était énorme. Ah Là, mais là, c'était énorme. vu cette vision, tu dis putain, c'est il y a trop de potentiel. Mais non. Là, tu te dis, waouh, ça va être fou. Mais non. Eh ouais. Eh bien. Et voilà, donc générique. Alors il n'y a pas de scène post-générique contrairement au précédent. Donc Ouais, tout à fait. voilà. Donc pendant qu'on a le générique, eh ben, écoute, mon bon Jason, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Toujours. sur ton Bah écoute, podcast, qu'est-ce qui se toujours passe? pareil. Bah non, toujours pareil. Là, donc alors il sera diffusé quand celui-là? Septembre, c'est ça? Octobre. Octobre, ça veut dire qu'on sera allé à Nanarland. Ah bah normalement, le jour où il sort, ce sera le jour où on sera Oh, dans la alors file ça. d'attente devant le Rex. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. D'ailleurs, c'est. Alors, juste une chose, Jill Valentine. Alors, dans le précédent, c'est Senia Miller, mais là, c'est mariée et c'est Senia Guillory. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, c'était juste. Donc, voilà, on sera en train de faire la file d'attente pour Nanarland. Non, écoute, là, on a lancé la saison. Enfin, on lance la saison 2 de Pays Prod. Donc, là, tout va bien, c'est cool. Et puis, moi, je continue mes activités sur Fucking Cinéphile. Pareil avec Flashou et TMDJC. Donc voilà, c'est plutôt cool. Franchement, voilà, c'est top. Très bien, très bien. Et voilà, tout se passe bien. Pays Prod, toujours avec Grégory. Bah oui, toujours avec Bah mon Greg, bon voilà, vieux tout se passe bien. Grégo. Bah ouais. Non. Et puis bon, là, je pars en plus. Là, on enregistre. Voilà, on enregistre en septembre, en août, et je pars. Dans 15 jours, je pars à Lille pendant une semaine. Voilà. Rejoindre Greg. Ça va être le bordel, je pense. Ah, ça va être le bordel, surtout au niveau des caches. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, c'est cool. Eh ben, n'hésitez pas du coup, je vais mettre le lien en description du Twitter Ouais. de Pays Prod et n'hésitez pas à écouter le podcast Pays Prod si ce n'est pas Ah. déjà fait. Oh, bah Vous si pouvez nous mon fils. rejoindre sur les réseaux, sur Twitter, on est aussi sur Twitter @nanarologie. Niveau plateforme, on est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur iTunes et on est sur Podcast Addict et PodCloud. Voilà, il me semblait que j'en ai oublié un. Et puis surtout, là, depuis. Ben maintenant, on a un Discord. On a un Discord, donc je vous mettrai aussi le lien, histoire que vous pouvez ici nous rejoindre pour parler cinéma de qualité en compagnie de gens passionnés par le cinéma de qualité. Voilà, tout simplement. Bon, c'est très bien On ça. parle pas du tout de films indiens
et de notre haine pour Resident Evil. Je vous rassure, on fait autre chose, on a autre chose à foutre. Hein. Mais voilà. Donc, bah sur ce, on vous dit à la prochaine. Jason, je te dis à dans. Techniquement, dans un mois pour Resident Evil, chapitre final. Ah ouais. J'ai hâte. On y est. Et puis, dans la vraie vie, à bientôt pour la nuit nanana. Ah bah, très bientôt. Bah oui, oui. Bon, normalement, on aura enregistré avant, mais. Bah oui, oui. Mais ouais, on va se voir avec Greg aussi le 1er octobre, donc c'est cool. Ouais, et puis cool. Sur ce, on va vous dire à la prochaine, messieurs dames. Le générique n'est pas fini, mais bon là, on s'en fout. Il y a pas assez de post générique, donc vraiment pas d'intérêt à continuer. Voilà. Et du coup, bah voilà, à la prochaine, tout le monde. À la prochaine, le bisou, ciao.